Notre troisième leçon qu'il nous confère, c'est nous besoin multiplier ma équation ensemble avec retirer ma équation. Nous besoin ça et aspect là. Nous besoin ça ensemble pour nous capable éliminer un unknown depuis nos équations. C'est ce qu'on appelle l'elimination méthode. Alors, dans ce cas-là, nous pouvons prendre une situation. Quand nous voulons faire une équation, bien retirer l'autre équation. Nous avons un cas côté équation, ajoute avec équation, ça ne va pas vous faire rester là. Nous pouvons faire un cas côté une équation, nous pouvons retirer l'autre équation. Là, nous prenons trois cases, trois types. N, c'est, comment nous pouvons écrire ici, one unknown. Il y a un coefficient, pareil comme l'autre là. Ça, c'est un cas. Deuxième cas, nous pouvons c'est quand un coefficient. Alors, nous prenons un coefficient qui, on va dire, il y a un multiple de ça l'autre là. Par exemple, on a 6y. 6y avec 3y. 6 c'est multiple de 3. Alors, je suis capable de faire ça déjà, mes équations là, viennent comme un premier. C'est-à-dire, ils viennent pareil comme l'autre là. Ça, c'est le deuxième cas qu'il nous faut faire. Quand n est multiple. Et nous prenons un troisième cas qu'il nous faut faire. Quand aucun, comment dire, équation, et pas aucun coefficient de aucun unknown qui est multiple point neutre. Par exemple, on a 2x plus 3y, on a 3x plus 4y. 2 avec 3, pas multiple en zot. 3 avec 4, pas multiple en zot. Donc, ça, c'est le troisième cas. Nous pouvons guetter qui pour faire. On retourne vers le premier cas. Alors, ce premier cas, nous trouvons une 6y. Avec 3y. Ce n'est pas le premier cas, ça. Premier cas, n'est pas ici. Alors, ce premier cas, n'est pas ici. Ça veut dire, nous prenons 3y avec 3y pareil. Alors, dans ce cas-là, du moment où ça dit là pareil, nous sommes capables de décider pour éliminer y. Comment nous pouvons éliminer y? Ça veut dire, sans première équation-là, retirer déjà mes équations. Y pour disparaître, Y pour mourir, pour éliminer. C'est ce que nous disons élimination méthode. Ici, comment nous pouvons connaître, nous besoin retirer une équation, retirer l'autre, ou bien une équation plus l'autre. Là, nous pouvons faire tout retirer, mais qui sont les critères pour nous connaître ça? Alors, nous pouvons trouver sa coefficient qui est pareil, là, 3 avec 3. Ce signe est pareil. Alors, nous pouvons dire sim, sine, subtract. Alors, ça, nous pouvons écrire là. Sim, signs, subtract, c'est-à-dire SSS. Nous ne sommes pas SSS. Same signs, nous bien subtract. Alors, comment nous faire? C'est 3y retirer 3y. C'est pour cancel. Là, nous avons 2x retirer 5x. Nous avons du pareil, comme nous avons écrit la dernière fois, dans la vidéo précédente. Et ici, 7 retirer 13, nous avons 7 retirer 13. Qui ça pour nous? Dx retirer 5x et retirer 3x. Nous faisons du dormos pareil. 7 retiré 13, c'est retiré 6. Toujours dormos. L'air là. Le temps nous fait aller, nous pouvons gagner. 3. 7 retiré 13, ça 6. Là, du coup, là, 7 retiré 13, c'est retiré 6. L'air là, nous pouvons faire 3x. Retirer 3x égale retiré 6. Nous sommes ceci, comme tout le temps nous dire, ne pas travailler avec retiré. Nous faisons une positive 3x. 3x égale 6. L'air là, x pour égal 6 divisé par 3, n'est pas égal 2. L'air là, quand nous finissons, trouve x égale 2, nous sommes capables de trouver y. Comment nous pouvons faire? Nous servir sa première équation là. Nous demandons dx plus 3y égale 7. Alors, nous servir sa première équation là, dx plus 3y égale 7. Nous avons x égale 2. Nous mettons là, 2 fois 2, 4, plus 3y égale 7. 3y égale 7 retiré 4 égale 3. Y égale 3 divisé par 3 égale n. Nous finissons trouver x. Nous finissons trouver y. Pour qui cas? Pour cas côté, nous avons n unknown sur coefficient des appareils. Je vais donner un de l'exemple que nous faisons. Par exemple, nous avons l'autre exemple ici, c'est retirer 3x plus 5y égale 12. Retirer 3x plus 3y égale 6. Ici, c'est x qui commande, on va dire x qui pareil, alors ça, retirer ça, il faut cancel,
5 retiré 3, 12 retiré 6, nous faisons D, grec égale 6, Y égale 3. Et pareil, quand nous venons faire là-haut, nous prenons N de cette équation-là, disons Y retiré 3X plus 5, Y égale 12. Nous faisons Y retiré 3X plus 5 fois 3, 15, parce que Y égale 3. Alors, si nous pouvons mettre ça égale 12, nous simplifions jusqu'à ce que nous gagnions X égale N. Et toujours, quand nous avons servi Morse, nous servons Morse pour nous faire une demande plus retirée. Donc voilà, ça c'est N, quand nous avons servi. Mais nous avons même valeur coefficient. Déjà, nous faisons dire quand N est multiple de ça l'autre là. Alors, si nous avons 2x plus 6 égale 8, nous avons 2x plus 3y égale 9. Toujours, vous trouvez 6 avec 3. N dans les multiples. Comment vous faites 3y, 26y? Vous payez 3 pour 2, moins 6. Donc, vous touchez tout mon terme qui est dans cette équation-là. Vous touchez tout pour 2. Alors, on a dx plus 6y égale 2, c'est la première équation. 3x plus 3y égale 9, c'est la deuxième équation. La deuxième équation-là, vous allez mettre pour 2. Alors, si vous demandez 6x plus 6y égale 18, comment vous gagnez ça? 3x fois 2, 3y fois 2, 9 fois 2. Vous récréez ma première équation en bas, c'est-à-dire 2x plus 6y égale 2, on appelle la première équation. Alors, si vous trouvez 6y, c'est-à-dire y pour éliminer, plus 6, c'est-à-dire sine, ni pareil, same sine, nous devons subtract. C'est-à-dire, nous pouvons faire sa équation 3 là, retirer l'équation N. Alors, 6 retiré D, c'est 4. 6, 6 mots. 18 retiré D, 16. Nous faisons une simplification comme d'habitude. Nous avons X égale 4, Y égale retiré N. Donc, pour ce bout là, nous terminons avec là. On a une bande de voies en bas. 3X plus 5, Y égale 4. 5X plus 5, Y égale 0. 3X plus 8, Y égale 17. 5x plus 4y égale 19. Vous devez faire ça des numéros là pour moi. Alors, si vous pouvez faire une photo, vous pouvez avoir les autres comme ça. Vous pouvez faire référence à la photo là. Quand vous pouvez faire une bande de bord, ou bien je peux suivre mon explication. Ça, c'est une vidéo là. Mais on peut avoir les autres bandes de photos aussi pour vous être capable de suivre.